On est dans le grand désert de Thar, à la frontière du Pakistan. Et puis, c'est notre première journée en chameau. Dès notre arrivée à Jessamer, nous sommes sollicités de part et d'autre pour participer à un safari à dos de chameau dans le désert de Thar. Le plus difficile ici, c'est de trouver l'agence qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Nous poussons quelques portes d'agence et nous récoltons de précieux conseils auprès d'autres voyageurs. Mission accomplie. Nous accordons notre confiance à Mr. Khan, un chamelier sympathique et amusant de 28 ans qui partage avec les novices les plaisirs du désert depuis maintenant 17 ans. Il nous apprendra pendant 3 jours et 2 nuits les secrets de son royaume de sable. Première étape, le respect des chameaux. Ces bêtes attachantes et très calmes sont dotées d'une grande intelligence et récompensent les monteurs qui savent reconnaître leur humanité. « Don't tease the camel, they always remember », nous disait toujours Mr. Khan. Deuxième étape, laisser ses soucis, son stress et son agitation à la ville. Le désert, c'est le moment de savourer le silence, la solitude, la siesta au zénith et la grandeur de la nature. Don't worry, be happy. No chai, no chapati, no woman, no cry sont parmi les phrases les plus utilisées par notre chamelier. Comme quoi notre bon vieux Bob Marley a franchi toutes les frontières, même celles les plus reculées du Rajasthan. On a passé une nuit merveilleuse à la Belle Étoile. On repart sur nos chameaux, puis on commence à être de plus en plus habitués avec eux autres, puis c'est vraiment relax comme expérience, j'adore ça. Notre première mission ce matin, c'est de trouver de l'eau pour nos chameaux qui n'ont pas bu encore depuis notre départ. Puis on nous dit qu'un chameau, ça peut facilement passer une semaine sans boire. Troisième étape. Le désert, c'est l'occasion de savourer la simplicité. Un surplus de marchandises pourrait miner le moral de nos précieux compagnons, les chameaux. Quelques couvertures qui servent de selles pour monter, plus ou moins confortablement nos bêtes, serviront aussi de matelas et de pelures supplémentaires pour apprécier les nuits fraîches à la Belle Étoile sur les dunes du Thar. Un minimum de chaudron et quelques allumettes permettront de concocter à même le feu de camp un repas très simple qui nous permettra de nous garder d'attaque sans trop nous gaver pour les rigueurs de l'endroit. Pommes de terre, choux, oignons, curcuma, chili, farine de blé, sel et eau permettront l'élaboration des menus midi et soir durant les 3 jours. Le chapati et le dal sont incontestablement à l'honneur dans le désert de Mr. Khan. Mr. Khan nous accompagna généreusement tout au long de notre séjour dans les dunes et nous fit presque oublier que nous étions en Inde. Mais il nous mit une chose, nous préparer pour la dernière étape. Quatrième étape, quitter la sérénité du désert et retourner dans le chaos et le bourdonnement de la cité. Des klaxons, des autobus, des voitures, des rickshaws et leurs cousins, les cyclorickshaws, constituent une expérience quasiment traumatisante. Empreint de nostalgie, nous sommes de retour à Jessamer et le voyage doit continuer. Une bonne nuit de sommeil et on repart sur la route.
premier pas de chameau de notre trip à Jazzheimer en chameau. On va avoir passé 3 jours dans le désert. On va avoir trippé comme des malades, fait des petits feux le soir, manger de la bonne bouffe. Puis on va avoir bien aimé notre voyage dans ce coin-ci près du Pakistan. Ciao!